Bonjour les amis. Tout d'abord, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais parler de donnez-moi votre argent durement gagné. Voilà ce qu'on entend depuis 15 jours de la part des imams répoubelles. Hein, donnez-moi. Comme ça, le bon Dieu vous le rendra. D'accord? Moi, je suis alors fortement contre ça, hein, parce que cet argent, ben, ils se le mettent. Mais c'est pour eux, quoi, voilà. Voilà, pour partir se payer des vacances que vous et moi, on n'aura jamais, quoi. Moi, je vous le dis. Ils se sont achetés des maisons que vous et moi, on n'aura jamais. Même des entreprises. Ce sont des imams un peu spéciales, quoi. Hein. Ce sont des entrepreneurs, en fait, avec un numéro Siret. Hein. Et quand je vois que beaucoup de 10 musulmans vont prier derrière ces imams, mais on est à la fin de tout. Allez, comme salam, sœur Suzanne, comment va bien? Ça fait plaisir. Donc, voilà, donnez-moi. Votre salaire durement gagné. Allez, comme salam, salam, comment vas-tu, cher frère? Bonsoir. Moi, j'ai donné et maintenant, je ne donnerai plus. Ben voilà, voilà. Non, mais surtout, ces imams qui sont ben, c'est les imams de la fin des temps. Hein. Le Créateur nous avait averti de ces imams. Hein. D'ailleurs, pareil pour les curés, pareil pour les raves. Tout ça, c'est entre les mains d'Iblis, quoi. Voilà. Alors, donnez-moi votre argent durement gagné. Hein? Voilà. Alors, les imams, depuis le début du ramadan, vous appellent à leur donner de l'argent. Hein? Pourquoi? Eh ben, certainement pas pour les pauvres. Hein. Certainement pas. Ce sont les imams de la fin des temps, sachez-le. Je pense qu'il y a des mots qu'on ne peut plus dire. Hein. C'est pour ça qu'on me faisait bugger.